Cette période n'a pas été facile pour moi. Je me suis dit, j'ai deux choix. Je peux 1. Passer le reste du confinement, chaque autre semaine, se sentir mal pour moi. Pleurer chaque nuit et ne pas participer à mes derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Ou je peux saisir l'occasion. Se dire que tout le monde est dans la même situation, prendre jour par jour, continuer à s'entraîner comme je peux. Il n'y a pas d'âge pour réussir. En 2021, je serai peut-être la plus vieille nageuse de l'équipe natation. J'ai déjà participé aux Jeux Olympiques de Londres, des championnats d'Europe, des championnats du monde et des médailles. Donc je serai une des nageuses avec le plus d'expérience. Cette période te donnera plus de temps pour vraiment réussir. Ce seront ceux qui arrivent le mieux à gérer la situation qui vont atteindre leur objectif. Tu as de la chance d'avoir un couloir. Si tu vois toujours la ligne noire devant toi, tu as une chance. Et sinon, reste actif hors de l'eau. Tu peux que réussir.